Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait une petite vidéo YouTube comme ça, donc on va reprendre un petit peu avec la nouvelle saison. On verra ce que je fais, mais je fais beaucoup de TikTok en ce moment, c'est pour ça surtout. Beaucoup de live et tout. En fait, ces jours, j'ai fait un gros rush et j'ai essayé de bien monter. Donc j'ai pu atteindre le 1700, enfin GC3, 1703, un truc comme ça. J'ai beaucoup progressé, mais bon, comme je spammais énormément, j'ai pas forcément pic très très haut. Et on va continuer de se battre pour aller atteindre ce SSL. Avant tout ça, je voulais vous montrer que j'ai changé un petit peu mes settings. Donc ceux qui le level, au moins elles sont là. Donc j'ai baissé un petit peu distance, hauteur, etc. C'est les derniers de Vatir, normalement si je me trompe pas. Bon, après rigidité tout ça c'est personnel, mais tout ce qui est distance, hauteur, angle, bah c'est les mêmes. 106 à 1,50, zone board 006, tout ça tout ça. Et on est donc parti pour la première game. Donc j'ai pas encore fait de game sur ce compte, donc c'était un compte, un deuxième compte que j'utilisais énormément pour faire des vidéos et qui était au même rang, voire même plus haut que mon main pendant un moment. Donc GC2 etc. Ce n'est pas du tout un compte Smurf, c'est juste un compte que j'utilise pour pas spammer dessus comme n'importe quoi et perdre mon embêtement. Voilà. Donc là, pour l'instant, j'ai rien du tout. Je suis à 0 sur 10, tout ça. J'ai essayé de faire... Oula, c'était très très nul. J'ai eu deux trucs dans ma tête, c'est... je voulais double tap. Et à un autre côté, je voulais flip reset et ça a pas marché. Ouais, je préfère cancel ici. Ok, ça va. Je me suis peut-être commit un peu... Bon, faut quand même que je m'échauffe en même temps. Je me suis pas du tout échauffé. Bon, comme vous avez pu le remarquer, on a le petit décal ici GC qui est assez joli. Pour le coup, ils nous ont pas trop gavé, mais on est plutôt bien en termes de récompense. Normalement, là, j'ai pas mis backcast mode, je sais pas du tout à quel elo je suis. C'est un peu bête. À mon avis, je suis probablement à 1560, un truc comme ça, donc entre GC1 et GC2. Ouais. J'ai cru pendant un moment que c'était dedans, c'est pour ça que j'étais un peu perturbé. Donc ça doit être ça entre GC1 et GC2. J'espère que je suis pas plus haut que sur mon main, puisque sur mon main je suis 1550 là. J'ai pas mal joué, mais j'ai du mal encore à monter. Hop, petite démo qui fait plaise. On va récupérer cette balle. Petit centre. Ouais, c'est dur en vrai. Y'a but. Let's go. 1-0. On va parler un peu de tout ça, mais j'essaye de mettre en tête un petit peu le plan. J'aurais peut-être dû le faire avant. Ok, j'étais trop hype de jouer aussi moi. Oh, let's go, elle est dedans. Je voulais parler aussi du décal SSL qui ressemblait beaucoup à celui de Silver. En termes de couleurs, c'est quasiment les mêmes. Le problème c'est que, c'est un peu nul. Je trouve que c'est un peu nul. Ok, bon, j'ai réussi un peu à défendre. C'était pas fou. Mais ça a gagné assez d'espace pour qu'on allait puisse la récupérer facilement. On va suivre ça. Le tir est extrêmement mauvais. Mais si je vais démo... Oh non, dommage. Je peux pas follow, je peux récupérer ça. Let's go. Le petit boost qui fait plaise. Du coup, RLCS, actuellement, on est dimanche. Donc ça se passe aujourd'hui, la finale du 3ème régional. Donc je sais toujours pas qui c'est. Hein. Pour l'instant, il est pas encore là. Ça n'a pas encore commencé. Et donc, pour l'instant, 2 victoires de KC. Vitality qu'ils étaient un petit peu tendus pour se qualifier, mais comme Magnifico était sorti par K-Corp, ils auront plus de points que Magnifico et seront donc qualifiés au Major. Après faut voir ce qu'ils font et ce que font les autres surtout. Mais bon, en tout cas K-Corp s'est assuré bon depuis le 2ème régional gagné. Ils sont plutôt bons hein, ma foi, ils sont pas si mauvais quoi. Ça c'est ma K-Corp, ça c'est ma K-Corp. Il y a eu une match en plus sur LOL là en LEC. Assez content qu'ils aient gagné, on va pas trop parler parce que bon c'est du LOL. Mais j'ai pas beaucoup d'occasion d'en parler, dans tous les cas je fais pas trop de vidéos sur LOL. Donc je me permets un petit peu, après s'il y a des gens vraiment que ça gêne, on parle d'autre chose que de Rocket. Bah écoutez, my bad. N'hésitez pas à me le faire savoir en tout cas. Même si en vrai, peu importe de quoi on parle, tant que le gameplay est bon, je pense que ça devrait le faire. Après je dis bon, je fais rien de fou, pour l'instant il y a 2-0, franchement j'ai pas besoin de prendre de risques hein, honnêtement. Je suis plutôt en train de m'échauffer en même temps et de juger un peu la game. Je vois que mon allié joue bien en attaque, etc. Là je l'ai vu, il est parti sur le backboard, donc en vrai partir sur une double tap ça aurait été compliqué. Plus un flip reset ou quoi, du coup j'ai un peu amorti pour me mettre dans la sauce. Ok. En fait je leur laisse pas vraiment de choix au mec en face de... d'être sous pression, elle est pas dedans. Rebond va à gauche. Ok, j'ai un peu rendu la balle là. J'avais pas assez de boost pour la récup. Ah, c'est dommage. Ok. Bon, parlons un petit peu de la nouvelle saison. Parce que là, on est sur Aquadome, mais l'ancienne. Enfin, l'ancienne, si je peux dire. La première
première version d'Aquadome. Et en fait, ils en ont sorti une deuxième, qui est l'Aquadome, j'ai plus le nom, mais une nouvelle Aquadome, qui est plutôt jolie, je trouve, en termes de qualité, tout ça. Le terrain est vraiment propre. Pour le coup, c'est une map qui était vraiment, vraiment bien. Je rien d'autre à dire. Elle est pas exceptionnelle, elle est pas... Tu vois, c'est pas non plus choc-barre de baiser, mais... elle est bien. C'est une bonne map. Je pense que c'est une bonne map. Belle couleur, beau terrain, décor simple, mais vraiment qualitatif, on va dire. Bon, c'est pas grave. Ok, c'est parti. Bon, j'ai juste mis le décal pour la vidéo, mais je vous assure que je le mets pas en game. En fait, je sais pas, moi, c'est pas mon délire de mettre des récompenses sur ma voiture. Je trouve ça trop... Wesh, la chance. Un petit peu arrogant. Bon, même si en soi c'est une fierté dans un sens. Mais surtout les titres. J'aime pas mettre les titres GC, tout ça. Ok. Boum. Je mettrai peut-être la première fois celui SSL. Je sais même pas si je le mettrai. Non. Je sais même pas si un jour j'ai le truc SSL, je le mettrai. C'est pas dans ma mentalité. Ok. On va reset là-dessus, gagner du temps. Voilà. On est bien bien chiant. On va rester défensif. Ok, nice. GG. Bon, j'ai pas pu voir le orange, j'ai vu du GC1. Bon, le TTC3, etc. Parce qu'ils étaient en duo, évidemment. Donc je sais pas si c'est du haut GC1 ou du bas GC1. En tout cas, on a gagné. C'est le plus important. Bon, il m'a rush. Ah, c'est le mec qui était avec moi tout à l'heure. Dans tous les cas, je m'en doutais qu'on allait se prendre un but là-dessus s'il m'avait passé. C'est dommage. Bon, 1-0 en 6 secondes. Ça va, ça va. On a encore du temps pour rattraper un petit peu nos bêtises. Ici, je vais essayer de jouer la balle en premier. Tant pis, il est parti chercher le boost. On l'a vu, hein, on va pas faire demi-tour. On va juste chercher cette balle. Hop, la mettre bien haute. Je peux pas le gêner, il part en squishy. Au final, il la cancel. En vrai, c'est pas de mauvaise chose ici qu'il tire pas. Mais bon, moi, je suis un peu en galère. Parce qu'en fait, s'il tire sur les mecs et il rend la balle... comme je suis en train de rota, c'est un peu complexe quoi. Dommage, double tap contré. Elle était dedans, hein, je crois. Il y avait de grandes chances qu'elle soit dedans. Je sais pas si j'aurais pu mieux faire pour la mettre, justement. Ok, nice. Mais moi je commit pas en fait. Donc c'est assez bien pour moi. C'est assez bien pour tout le monde, même. Tout bénéf, c'est une bonne action. Hop, je suis assez content. Là j'aurais bien tenu sur la balle, mais si je peux prendre du boost. Ok, il joue juste le contre. Hop. Il va la récupérer, on va attendre. Oh, il a bien anticipé là. Il a très très bien joué. On va essayer d'aller un peu plus vite. Hein. On sent que, bon, ils hésitent un petit peu les mecs. Donc si je vais plus vite, ça devrait le faire. Mais je vais quand même éviter de me jeter bêtement. Je vais rota fast. C'est bien ça. Qui rate sa touche. Ok, il s'est raté. Tu vois, j'ai pas de boost, mais je peux quand même y aller. Il y a pas de problème. Si t'as la vitesse... Si t'as le positionnement, il n'y a rien qui t'en empêche, même pas le boost. Ok, je le gêne. Il n'aurait pas dû sauter ici par contre. Elle est pas dedans. Il faut toujours la décaler. Il a pris le boost. On est un petit peu dans la galère. J'ai du mal quand même à me mettre bien. Ce que je disais juste avant, pas besoin de boost, mais c'est bien d'en avoir quand même. Ah, je... Ok, vas-y, je te laisse la place. On va le suivre. On va le suivre, pas besoin de prendre trop de boost. Hop, s'il y avait un contre ou quoi, j'aurais pu récupérer la balle, même avec 40 de boost. C'est assez important ici de suivre, je suis beaucoup, énormément. C'est l'erreur que je fais quand je joue, quand je suis pas trop concentré, c'est que dès que j'ai 20 de boost ou 10, je me dis bon bah tant pis, je back. Alors que je pourrais tout simplement le suivre avec 20 de boost et mettre un potentiel but. Voilà, j'étais sûr que ça allait se passer comme ça. J'avais pas trop de solutions en vrai. L'erreur venait d'avant. Mais je sais pas comment j'aurais pu corriger ça. Un peu galère. Bon, c'est pas grave, kick off goal pour rattraper un petit peu tout ça. Ça fait plaisir. Ça m'arrive rarement, donc je vais être très reconnaissant envers cette chance. Ok, je le bump. Je suis quand même... Non, je vais pas y retourner. Je voulais la retoucher si le mec arrivait assez vite, mais ça va. Prendre mon 50. Le mec a le même décal que moi. C'est drôle. Bon, sur une octane, mais bon. Je l'aurais pas. Je vais juste mettre la pression. Ok, on va attendre qu'il lâche la balle. Bon, il l'a pas trop lâché, mais comme elle est trop rapide, il ne peut pas. Il ne peut pas en fait. Il peut pas la redirect, il peut pas me surprendre, il peut rien faire de très intéressant. Bon, il y va tout seul. Je suis pas sûr que ça passe. Non, ça passe pas. Juste voler le boost.
Je chill un peu. Hop, on prend un petit compte. Oh dommage. J'y étais peut-être un peu fort là. Ah le truc c'est que je me rends compte hein, c'est que je gaspille beaucoup de boost. Quand je suis sur mes rotas tout ça. Faut que je fasse attention à ça. Tu vois là, j'aurais pu aller chercher le back boost, j'aurais pu. Mais je vais quand même rester dans cette zone. Pour toujours être dangereux et empêcher les mecs d'avoir un free 2v1 tout ça quoi. C'est chiant pour moi mais bon. Le truc c'est que si je me retrouve en 2v1, même si j'ai 100 de boost, je peux rien faire quoi. Si les mecs ils jouent bien. Oh j'ai réagi trop tard. Ah ça me saoule. En fait je suis bien positionné si je suis concentré à fond, mais du coup je devrais me concentrer. Enfin je devrais me positionner plus loin comme je sais que je vais pas être concentré en fait. C'est dur en fait de mélanger les gameplays. Mais on va quand même s'en sortir, il y a 3-3. On va dire que ça arrive les erreurs. Ouais, j'ai vraiment pas eu de chance là par contre sur le rebond. J'aurais pu réagir évidemment mais ça reste pas de chance. Allez dedans. Ok nice. Bien joué ça. Le tas arrive donc en vrai on n'est pas trop. Ok, il est passé juste à côté. Ok. Bon j'ai bien pris mon temps. J'aurais pu aller à mon allié mais j'ai préféré y aller. J'ai l'impression que mon jeu est un petit peu zoomé. Ça va, ça se voit pas trop à l'écran mais. Un peu bizarre quoi. Est-ce qu'il peut le mettre? Il peut pas. Il peut. Il peut pas. Dommage. Le turn. Ok, on va follow. En vrai je m'attendais pas à ça. Je suis parti sur la gauche parce que je m'attendais que le mec la touche mais il l'a pas touché. Ok, je me fais bump. Là, ok nice. On va follow rapidement. Faire une fake un peu. Hop, ça le fait commit. Je peux pas chercher un bump. Après s'il la touche pas, je peux récupérer celle-là. Oh je lui tire dessus. J'ai trop le seum. Je peux rien faire. Non, il prend un but, c'est bête. Là je pouvais littéralement rien faire. C'est dommage. Et c'est ça le problème que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'en fait quand tu suis pas ton allié, même si t'as 20 boost, bah il se passe ça. C'est que le mec il va juste tout droit, il te fait un flick et hop il y a but. T'as beau avoir 100 boost, si le mec est meilleur, enfin s'il fait un meilleur move, tu peux pas juste. Ah il est pas là. Il a du mal à follow hein. Après souvent c'est une erreur qu'on a tendance à avoir en GC1. On rend beaucoup la balle et on a du mal à follow. Et du coup on récupère pas toutes les balles gratos, tous les petits tirs de merde qu'on pourrait mettre tout le temps. Ah le Spanish. Bah c'est pas vraiment un Spanish, si c'est un Spanish. Il est parti bum. J'ai pas été concentré là dessus mais bah, j'ai oublié. Faut toujours s'en prendre un pour se rappeler que ça existe cette merde. Mais ça va, on a de la chance, ils l'ont pas mis. Hop on défend tranquillement. Et on est reparti pour la troisième game. J'espère que vous êtes chaud. Il y a 3 joueurs Steam, on voit il y a des PP et pas Onyxia. Onyxia qui a pas de PP. C'est vraiment sad. Hop, en 2 temps, dommage, il a bien joué. Mais donc commit, je peux pas le gêner lui. Non, on va juste récupérer du coup le boost. Je vais pouvoir aller sur celle-là, je la mets sur la gauche évidemment. Sur mon allié s'il peut pas, tant pis. On va récupérer celle-là. Elle est devant, le mec on voit il fait un peu de la merde. Dommage, en vrai si j'allais un poil plus vite, j'aurais pu mettre le but. Je vais gêner le deuxième, on va follow. Ça a l'air déjà beaucoup mieux joué. Hein. Comme c'est ma deuxième game, j'ai récupéré quand même pas mal de points. On va back, tranquillement, on va pas se casser la tête. Lui il veut faire une passe, bah fais ta passe mon frérot. Bon ouais, c'était un petit peu dangereux, mais ça va. Bon là, ça par contre... Ah par contre... Là on peut le dire là. C'était vraiment nul. Hein. Ok, c'est pas du tout ce que je voulais faire, mais bon, c'est pas grave. Je vais juste récupérer ça. Ok, mon allié l'a pas vu. C'est pas grave. Il va peut-être la mettre devant là. Ok. Bon, j'aurais bien voulu le cut, mais. Ça marche aussi comme ça. Si c'est le mec en face qui le fait. Je récupère le boost pour pas que le mec aille dessus. Il va peut-être faire une passe. Non. Je vais le gêner pour mon allié. Ok, bénéf. Ah, bah, j'ai complètement raté. Non, c'est ma faute en vrai. Je vais essayer le mid boost. Pas très dangereux. J'y vais deux fois. J'ai toujours du boost. Je vais essayer d'un petit pinch là. Dommage. On va rota. Il n'y aura pas de boost, j'imagine. J'ai essayé au cas où, mais. On va rota fast. Il y a des mots qui fait plaise. Ah, mais il était tellement haute le balle. J'ai pas de boost par contre. Il l'a en tête à mon allié. Toujours pas de boost. C'est compliqué là par contre. Non, ça va. Ça va pas du tout même. Oh, ok. Par contre, fais gaffe, mon frérot. Ça va. J'arrive à récupérer pas mal de balles, par contre. Hein. Cette game est beaucoup plus intéressante, ça se voit.
contre, faut faire attention à ces balles de merde. Ils ont du mal à attaquer, hein. Ah, ça, c'est un peu rapide. Rendre les balles comme ça. Ça, c'est ce que je dis. C'est les typiques exemples d'erreurs en GC1. C'est de rendre cette balle-là. Finch à 2. Dommage. Genre là, tu vois, c'est déjà mieux. Il prend son temps et il essaye de prendre son AV1. Faut pas juste rendre la balle en tapant dedans, quoi. Ah, je pense qu'il la met pas. Ok, bon. Un peu difficile. Je vais attendre ici et dès qu'il me met en l'air, je vais sur le mur. Ouah, j'ai cru que ça allait rentrer. Il a mis une lucarne opposée là. Dinguerie en vrai. Je l'ai pas. Elle est pas dedans. Ok, nice. On a vraiment de la chance. Mais le truc, c'est que j'avais pas assez de boost. En plus, j'ai réagi encore trop tard. J'ai essayé d'y aller en deux fois. J'ai encore un peu de boost. Ah, dommage, pas assez pour surprendre. Je peux pas trop, je la laisse. En vrai, c'est commit, c'est un peu bête. Je suis fake. Quand je vois qu'il se rate un peu, je la pop. Il l'a, hein. Dis-moi qu'il l'a. Ok, nice, c'est juste aller démo du coup. Ok, dommage. J'aurais pu la fake celle-là. J'aurais dû la fake. Mais comme il y a 0-0, on fait beaucoup d'erreurs en vrai. Que ça soit de notre côté ou en face. Hop, en deux temps, toujours. Ça surprend énormément et c'est très très efficace. Ouah, ça sentait un petit peu le pâté cette histoire. La game est un petit peu tendue, l'équipe. Elle est tendue. Le problème, c'est que j'ai pas trop de boost. Ça fait un 50 pas mal. Encore une fois, c'est pas mal. J'ai eu le boost, c'est excellent. J'esquive la démo au cas où. Et là encore, hein. On va évidemment faire attention à ça. Il va essayer de me bump, je m'en doutais. Il a plus de boost, lui, hein. C'est ça qu'il faut se dire. C'est que lui, il a plus de boost. Je laisse à mon allié. Laisse-moi juste passer devant, chef. Ok, dommage. Et il passe sur le mur, on va essayer d'anticiper ça. Je sais pas non plus 3000 de boost, mais... Ah, c'est dommage. Ouais, il a anticipé exactement le contre, hein. C'est malheureux. Le truc, c'est qu'on a eu beaucoup trop d'occasions et... Ah, c'est sad, quoi. C'est vraiment triste. J'ai l'impression que ça va être compliqué, mais on peut toujours gagner. Toujours gagner. Ils sont pas si forts, juste nous, on n'arrive pas à jouer ensemble. Hein. Vraiment. J'arrive pas à comprendre ce qu'il veut. Il est un peu lent sur ses dégagements. En fait là, s'il vise le but, il y a but. Parce que je mets la pression sur le mec. Mais comme il contrôle, il fait pas ce que moi j'ai envie qu'il fasse, bah ça marche pas. Avec Kadai. Ok. Là, faudrait qu'il aille direct en fait. Il prend trop son temps. C'est dommage. Et du coup, bah il se fait contrer. Moi, je suis pas là. Il me fait voler tous les boosts. Bacha, il joue pas si mal, hein. Ouais, qu'ils suivent, ils suivent pas. Ils suivent pas. Ah, c'est dur. Ouais, dommage. Bon, on va se faire une dernière game, mais avant ça, je vais quand même reparler un petit peu de la dernière. Parce qu'on va pas parler entre deux, c'est un peu nul. En gros, on avait. Enfin, déjà, de une, ils suivaient pas beaucoup mes actions. Et en fait, à chaque fois qu'ils devaient aller jouer vite, ils jouaient lentement. Et chaque fois qu'ils devaient jouer lentement, ils jouaient vite. Il y a eu une balle où en fait, on s'est retrouvé en 2v1. Il l'a rendu direct. Il y a eu. Bah, je crois que c'est même arrivé plusieurs fois. Faut vraiment ralentir quand c'est ça. Et juste jouer à deux en fait. C'est trop nul de juste rendre la balle, hein. Là il y a eu beaucoup trop d'occasions ratées. Et même de mon côté il y en a eu aussi. Mais moi c'est pas des erreurs de décision. Moi c'est plus des erreurs de mécanique là. Parce que je suis pas chaud du tout, je me suis pas entraîné. Là ça se voit de toute façon mécaniquement, je fais rien du tout. Petite passe pour mon allié. Dommage, il a turn défensif. Il a pas vu venir. Ouah. Un peu dur. Je vais éclair instant, je sais pas trop où il est mais il peut y aller dans tous les cas. S'il avait envie. C'est vraiment s'il avait envie, hein. Il y a quand même une condition. Je peux pas non plus tout contrôler de ce qu'il fait. Malheureusement, sinon bah ça serait un peu plus facile évidemment. C'est un peu le problème du jeu quoi. Faut quand même s'adapter au mec. Si le mec il veut pas jouer, bah il joue pas. Hein. Bon allez, on va récupérer un peu de boost. Avec des pads, hein. On fait comme on peut. Malheureusement. Pour l'instant j'ai pas encore vu mon allié toucher la balle. Mais c'est pas grave. Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Ça arrive à tout le monde malheureusement. On va faire avec. Une minute, il se passe pas grand chose. Ok, bon il met la pression pour pas grand chose. Je vais le laisser y aller. Je vais rester en défense, hein, je suis pas trop confiant. Voit, il prend bien son temps. Souvent les mecs qui prennent leur temps comme ça, ils sont pas vraiment forcément en confiance. C'est le problème de l'hésitation, hein, sur ce jeu. Dès qu'on hésite un peu trop,
On fait vite n'importe quoi. Ok. Je vais essayer de me démo, lui, c'était sûr. Bon. J'ai complètement raté mon flic, c'est dommage. Ok. Ah, il s'est fait passer. Ok, bon, est-ce que j'ai le temps d'arriver? Non. C'est dommage. Ah, il bug en plus. Ah, j'ai vraiment pas de chance pour le coup. Bon, pour cette game, ça va être extrêmement dur. Le vrai Datamix. Non, mais ça y est, c'est... Ok. Ah, je vais répondre après, vous inquiétez pas. Je vais pas faire la star. Ok. Quoi? Oh, dommage. Chani, je te vois pas quoi. Ah ouais? Ah oui, c'est normal, bah c'est le deuxième compte. C'est le deuxième compte. Ok. Hop. Bon, du coup, on va quand même la jouer. Elle est pas perdue, hein, vraiment, il y a que 2-0 pour l'instant. Elle va au centre. Ok. Le main est à combien, hein? Le main est à combien? Ah, le main est fatigué. Ok. Bon, on va essayer. Ouais, on va attendre. Wouah. Ok, il a bien joué en vrai. Il buguait pas. Hein. Ça, je te le dis. Hein. Ok. C'est dommage. Il peut y aller. Bon, j'ai pas trop de boost. Je vais juste rester en backup. Bon, il nous met des dingueries là. Il est en train de nous éteindre, chef. Bah. Ok. Après, le truc, c'est que comme il lag. Enfin, là, il lag plus là. Hein. Là, il lag plus, hein. Bon, je vais pas FF tout de suite. Franchement, moi, j'aime bien jouer les games. Et ils sont pas injouables, hein, vraiment. Et là, les games, je pense qu'on peut toujours les gagner. Mais ça dépend de lui s'il a envie de jouer, en fait. Là, ça va pas trop dépendre de ce qui se passe dans la game ou quoi. C'est surtout s'il a envie de continuer à jouer. Parce que le peu qu'il montre, c'est pas très motivant, quoi. Moi, je vais continuer à jouer. On va voir comment ça se passe, si on arrive à tenir ou pas. Après, une game, tu vois, même si tu la perds, tu peux toujours gagner quelque chose. Donc, continue de la jouer et continue de t'entraîner, tu vois, dessus. C'est assez important. C'est genre tenter des trucs, de jouer plus vite, parce que là la game tu vois elle est dure, donc je me dis bon bah je vais sauter sur toutes les balles, je vais tenter des trucs, genre hop je fais cut ici, bon j'aurais pu ici si j'avais mieux récupéré mieux la balle, mettre un but direct en fait. Tu vois ces occasions, ces risques que tu prends, tu les prendras pas forcément dans une game où t'es en train de gagner, parce que c'est bête, tu vas pas prendre des risques quand tu gagnes. Et du coup l'idée c'est dans ces games là, essaye de vraiment bombarder. Ok, si le mec avec toi il veut plus jouer, ça n'a aucun intérêt. Mais si les deux sont encore en train, enfin tout le monde est encore en train de jouer, continue de jouer. Ouais, tu as pas FF en fait, c'est toi qui engage le FF. C'est sad quoi, c'est sad en fait. Dommage. En vrai, j'ai tiré parce que je pensais que ça allait le surprendre. Il a pas du tout été surpris, j'ai l'impression. Oh, ma faute. Je sais pas comment j'ai raté ça. Ok, bon, j'ai back. Là encore. Et je vais lui laisser du coup, je vais suivre. Ils sont un peu loin, ça arrive, ok. Hop, bon, un peu compliqué. Ça le problème de jouer, de vouloir AV2. Wesh. C'est que si se fait dunk sur le deuxième, bah. C'est une balle rendue un peu. Mettre la pression. Je vais prendre mon temps. Juste lober celui-là. Dommage, c'est quoi ça frère? Je te jure. Ça n'a pas de sens. Ok, je lui mets la pression, mais le truc c'est que j'ai pas trop eu le contre. Il est même reparti sur son pote, c'est vraiment pas de chance. Ouais, elle passe, dommage. Bon allez, hop, on vote FF. Là-dessus, c'est fini. Gros GG au frérot. Bon, c'est dommage qu'il laguait au début. Bon, j'espère que ce petit retour vous aura plu. J'ai toujours pas en mémoire parce que j'ai pas mis backest mode, mais bon, c'est du GC1 pour l'instant. C'est du début de saison, donc on s'inquiète pas trop. Je vous invite aussi également à me suivre sur Twitch, je fais beaucoup de live, donc si ça intéresse des gens, ou sur TikTok. Bon, après sur TikTok, souvent c'est juste des petites vidéos. Et surtout de vous abonner aussi sur YouTube, c'est assez important. Je vous dis à plus pour les prochaines vidéos. Ciao, ciao.